Nous invitons donc le marié à dévoiler respectueusement la mariée. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Si nous sommes dans la joie, acclamons un peu le Seigneur. Nous allons inviter les mariés, le témoin après, et c'est les officiants pasteurs et la pasteur responsable qui vont signer un livre d'or. J'invite le marié et les témoins vont se mettre debout aussi après. Comme ça, à tour de rôle, on va signer pour gagner le temps. Amen. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit un parfum.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, toi qui es le chef de la famille. Médite-le nuit et jour afin de réussir et d'avoir du succès dans toutes tes entreprises, pourquoi pas vos entreprises. Que Dieu puisse vous bénir et que cela soit comme un guide durant toute votre vie. Amen. Arrosée par tes paroles douces, afin qu'en elle, qu'il n'y ait pas de rides, ni soucis, ni pleurs. Que cette fleur qui est là fleurisse dans ton cœur, afin d'apporter à ta femme l'amour que Christ a recommandé. Et quand ta Maryse, tu es l'épouse. La grâce est tombée, mais la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est louée. Quand ton mari va te louer, va parler du bien de toi à cause de ton amour quand tu crains l'Éternel ton Dieu, qui te donnait la force de supporter et surmonter les épreuves dans ton couple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les mamans, vous êtes où? Les cris de joie, les mamans! Bien-aimés, nous avons fini notre cérémonie de bénédiction nuptiale de ce jour. Je vous prie de vous lever respectueusement et nous allons rendre grâce à Dieu pour ces instants que nous venons de passer ensemble. Pour cet grand moment que nous venons de passer avec toi, où tu as été au début de toutes choses, et merci parce que nous y sommes à la fin. Que tout soit pour ta gloire, parce que c'est toi seul qui bénis tes enfants. De la même manière que tu as été avec nous, continue avec nous jusqu'à la soirée, et bénis cette grande journée, et que tout se fasse pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La suite maintenant, dès ce moment, nous prions qu'on enlève les chaises qui sont devant ici. Vous essayez de les retirer. Aimerez-vous, je vais.
les mariés, soit en vous félicitant ou en vous offrant quelque chose. Et à ce niveau-là, je pense que je donnerai la parole certainement à maman ancienne de qui ou à mon frère Roger qui annoncera les gens qui vont partir dès mon mental. On commence d'abord par le pasteur lui-même. Votre attention, s'il vous plaît. J'aimerais donc vous présenter le papa de notre frère Ghislain qui est ici devant nous. Amen. Amen. Yeah.